Thank you.
Thank you.
Thank you.
sans étonner et reconnaissant. La première lecture vous sera donnée dans Daniel chapitre 12, les versets 1er au 3e. En ce temps-là, se lèvera Daniel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Parole du Seigneur. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pendant pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur nous-mêmes à un signal donné, à la voix intense et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, paroles du Seigneur. Et maintenant, nous allons avoir, disons, pendant un peu, faire place à la personne responsable de la biographie pour connaître un peu Madame Cécile. Et de vos chats. Notre famille, c'est l'équipe des
parce que je n'ai pas préparé pour le discours. Mais comment est-ce que je ne suis pas capable de se rendre en place pour le gouvernement pour dire qui ça, comme si j'ai une part de la discussion encore, ou bien je vais ceci, je ne vais pas parler de ce parce que mon rôle se fait mal. Quelque part, ma petite responsable, je ne sais pas. Si je ne pas détaché de ce c'est de la bonne. Il était comme nous offrir de la route, il était comme nous dire la chose. Non, moi, donc vous devez aller avec la route sur le jour, c'est sur le jour. La tempête, nous c'est une situation qui s'est qu'on a pris. C'est qu'il y aura à la route. On dit quoi, avec excusez-nous, avec si vous voulez émotion, pour prendre quelque chose. Excusez-nous, je vous Nous savons la prière de consolation par le mieux pasteur Saint-Rébel. Nous allons chanter la révolution de cette prière. Qu'il a fait, souvent marché qui soit dans la vie, chargé à pardon.
et nous servir pour là, ou partager du Noël avec la famille Romain. Nous venons de notre de grâce au Père, pour que nous le veillons devant la famille Romain et toute notre famille, zombie, voisinage, qui est en relation à la famille Joma. Nous venons pour le lever au devant, Seigneur, parce que nous-mêmes seuls, une capacité, un pouvoir pour consoler, pour sécher de l'eau dans les yeux, pour la peine que nous venons, pour la tristesse que nous venons, pour bailler la joie. Pour moi, Seigneur Dieu, ça qui est capable de faire une affolée, ça qui est capable de faire toutes sortes de problèmes pour prendre le secours et pour que nous-mêmes nous déchargions. Puisque vous dites, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous croyons que c'est dans vous et dans vous-même seulement qu'il y a une consolation. Nous croyons c'est vous et vous-même seulement qui est capable de combler vide que Jésus a quitté dans ma famille, dans ma petite, dans ma famille, dans ma voisinage, dans ma tout le monde qui est contre dans ma communauté que tu as vu. Vous-même seul capable de combler vide ça. Seigneur, nous devons vous faire prier. Nous levons la famille Jean-Marc à vous spécialement. Seigneur, si Gisèle te représentait pour eux, dans une raison de vivre en famille, demande aux envies, permettez que ces yeux sont vous-même, et sont vous-même seulement, et que vous ne pouvez pas prendre vous-même par une raison de vivre, parce que vous êtes là, qui est éternel, qui va me jeter par là, dans chaque circonstance, dans chaque moment, même les plus difficiles. Seigneur, aidez-nous songer matin. Que tout ça que nous capable de faire, tout ça que nous capable de dire, tout sentiment que nous capable de partager et à éprouver pour monde à vivre à côté de nous, nous bien limite nous, parce que limite ce sentiment nous, il va aller au-delà de la tombe. Tout le monde est capable de venir au monde, nous ne pouvons pas rentrer dans cette peine-là. Tout le monde est capable de venir au monde, nous ne pouvons pas rentrer dans ton là. Tout le monde est capable de venir au monde. Même si nous avons prié la vie, nous voulons aller ensemble avec lui, mais que nous vivons dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Parce que tout simplement, nous venons vivre. Mais Seigneur, nous-mêmes, ou là, même au-delà de la mort, dans la tombe ou là, dans certains là ou là, et lorsque la tombe est en putréfaction ou là, et ou là, pour l'éternité. Seigneur, et de nous comprendre que c'est où nous besoin d'être comme petits bons amis dans la vie. Parce que nous sommes là, qui va jamais abandonner nous, dans quelle que soit son absence. Demande autant que Père, par ton Saint-Esprit, qui c'est le consolateur des affligés, console chacun qui est venu dans Dieu au matin, console la famille Thomas, console petit Gisèle, console maman, console tout le monde qui est de votre côté, et permettre que nous allons nous la joie. Pour que la vie va continuer dans le temps souple. Nous t'en prions, Père, en vertu de nos œuvres et gloires, mais au nom par la mérite de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, qui vit et règne avec moi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Maintenant, vous êtes prié de vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de l'Évangile du jour, laquelle vous sera donnée dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, les versets 20 au 26. Et tout de suite après la lecture, ça va planer dans une feuille, une environnement. Ou après, il y a un paragraphe qui commence par une croix. Donc, allez réciter ensemble la confession de notre foi chrétienne après la lecture. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait,
Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, Mère, je sais tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui répondit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Parole du Seigneur. Et maintenant, confessons ensemble notre haute voix. Je crois, ça commence par je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Debout, juste avant le sermon de circonstance, chantons avec le séminariste dans l'aujourd'hui. Cinq créoles, j'en espérance au milieu de la feuille, mon qui m'était dans Jésus, et en confiance, qui s'en ici. Mon qui m'était dans Jésus, et en confiance, qui s'en ici, Gisèle, 43 ans à peine,
c'est faux. Cependant, le Créateur, le Dieu souverain, en a ainsi décidé. Lui fait appel à Jezabel. Il y a une décision que moi, après, on n'a pas révoquer. Nous n'avons pas faire rien pour lui. Nous avons besoin de demander mon Dieu force, courage et sérénité pour nous accepter la décision, ça, puisque nous n'avons pas changer. Le bon Dieu t'a pris Jezabel. Il n'a pas demandé conseil à personne. Le lamentait tout, il n'a pas demandé conseil à personne. Le Jezabel t'a pris au monde, c'est sûr que tu as la joie, tu as gagné une fête au sein de la famille, puisque il y a un autre moment dans la famille. Et je dis, hein, c'est son départ, il y a une tristesse, il y a un bleu dans les yeux, c'est deuil, puisque il y a un monde qui manquait dans la famille. Hein. Et ceci pour l'éternité. Nous comprenons douleur là, nous partageons avec vous et nous souhaitons encore à la famille nos plus sincères condoléances que Dieu vous console. Mais on ne dit pas trop long puisque le temps est menaçant. Nous avons supposé profiter du temps que la vie a passé avant de nous aller. Nous avons réveillé Dieu que Jésus-Christ, c'est solution à problème de mort. Jésus-Christ est solution à problème de mort. Depuis, après la chute de l'homme, selon le livre de Genèse, la mort est rentrée dans l'humanité. Et dans Romains, il est écrit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur l'humanité. De même aussi, par un seul acte d'obéissance, en plus le monde va prendre la vie. Après la chute, l'homme connaît la mort parce que l'homme choisit délibérément pour désobéir à la loi divine, à la volonté de Dieu, puisque Dieu, après la création de l'homme, lui dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme est entraîné avec le libre arbitre, capacité pour décider entre bien et mal, pour choisir entre bien et mal, entre faire la volonté de Dieu et ne pas le faire, l'homme choisit délibérément désobéir à la volonté de Dieu et lui manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et désormais, l'homme est séparé de la présence de Dieu. Et l'homme a connu deux phénomènes. Il a connu la mort physique, qui c'est ça nous a assisté aujourd'hui, hein, départ, Jezabel, côté que corps physique fini, nous a déposé au tombeau dans quelques instants, et après quelques heures, après quelques jours, il a tombé en putréfaction, il a tombé en pourriture, et ça prouvait encore la véracité de la parole de Dieu, car bon Dieu le t'a prononcé verdict après la désobéissance de l'homme, il te dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Jezabel a retourné à la poussière. Deuxièmement, maintenant, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la mort que nous connaissons lorsque nous choisissons délibérément rejeter le sacrifice vicariable de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois du calvaire pour que nous devenions la vie et puis nous choisissons délibérément rejeter lui et puis l'homme non nous va connaître la mort, mais ceci va arriver à terme. Au dernier jour, le jour du jugement dernier, côté que Seigneur Jésus-Christ va retourner pour juger les vivants et les morts selon bien ou mal que nous avons fait pendant nos soutiens à ça. Et là, ça a le verdict lui prononcer si on déconnaît le salut éternel, vous parlez avec Dieu la félicité éternelle, et si vous refusez Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez aller dans le tourment éternel. Maintenant, c'est la seconde mort. Côté que vous allez jeter dans les temps de feu et de soufre, et maintenant vous allez finir pour l'éternité. Cependant, Seigneur Jésus-Christ, il déclarait, devant problèmes là qui
c'est la mort. Devant le plus gros dilemme que l'humanité connaît, après tout notre problème que nous donnait l'humanité à ce là, le plus gros problème de l'humanité, c'est la mort. Et toute émotion qui a fait, toute évolution qui a fait, tout ça que la science a essayé de faire, mais la science n'a pas qu'à avoir une solution à la bagaille, ça a fait ça, que on est dans le monde. La mort, c'est un fait, c'est une réalité, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contester, car dès notre connaissance, nous jouons dans le monde là, nous pouvons aller, l'homme peut aller avec nous, n'a quitté l'homme qu'on y a, il a connu en moi et ainsi de suite. C'est un fait. Face à la réalité, ça, Jésus-Christ déclarait à Marthe et Marie, lors de la mort de leur frère Lazare, au verset 25 du chapitre 11e de l'évangile selon Saint Jean, Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Jésus dit, moi j'ai solution à problème, non. Puisque la mort est un problème, non, et bien moi-même, moi c'est résurrection. Qui parle qui besoin de résurrection? C'est quand est qu'il y a la mort. Et lors des résurrections, le mort est déplacé et la vie qui retourne. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection. Mais il dit, celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Moi c'est résurrection, moi qui crois dans moi, la vie pour mourir quand même. Il n'est pas les deux phénomènes. C'est la mort physique et la mort spirituelle. Qui ou connaît Jésus, qui ou croit dans Jésus, qui ou pas croit dans lui, tout homme a connu la mort physique. Car Jean de l'Église dit, la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Qui ou ses croyants, qui ou son non-croyant, nous tous a frappé par la mort. Qui ou ses pasteurs, qui ou ses ou non, nous tous à frapper par la mort. La mort physique. Mais le remède, la solution, c'est que, c'est quand Jésus-Christ entend que résurrection, celui qui peut ressusciter de la mort, eh bien, il s'est passé. Il dit, l'heure non quoi non moins m'a béni pour nous ressusciter nous au dernier jour. Et l'heure là, nous ne connaissons pas. Nous va connaître la seconde mort, nous va connaître la mort éternelle. Car lorsque nous délit, dans la lecture de l'Ancien Testament de Daniel chapitre 12, il dit nous prallier en résurrection. Et lors de cette résurrection, tout le monde a béni pour ressusciter. Quitte ou t'es mouru croyant, ou bien on t'est mouru non croyant, ou à bien vous ressusciter. Mais après deux destinations maintenant, après la résurrection de chaque être vivant, la dernière destination, il dit, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Maintenant, mon qui croit dans cela, il a fait sacrifice là, sur le bois du calvaire, ben la ville, comme il est écrit dans et Jean 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole de Dieu, celui qui croit au fils a la vie, celui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie. Mes chers amis, frères et sœurs, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez maintenant la vie éternelle. Par quoi vous pourrez connaître la mort éternelle. Et là, ça, pas gagner réparation, pas gagner solution encore, parce que décision de l'homme qui est vivant, il est vivant. Pendant que le vivant, pendant que le souffle, nous le lit toujours. Et là, ça, c'est ce qui veut dire que nos décisions,
que nous nous créons. Dans le temps, nous nous créons, parce que le temps est précieux. Le temps, il joue un rôle prépondérant, il joue un rôle crucial, il joue un rôle important dans la vie de l'homme. Dans la destinée de l'homme, le temps est important. Et facteur du temps, il est souvent pas loin de ma mère, c'est sa chair. Et en plus, bagaille, nous trouvons au dépourvu lorsque nous créons la vie. Souvent, moi, avant que je dis, il est encore tôt. Une jeune garçon, une jeune fille, à peine 18 ans, à peine 20 ans, à peine 30 ans, à peine 40 ans, à peine 45 ans, une question de vous, une question pour vous faire telle ou telle chose. Et le plus souvent, et lorsque nous avons fait une organisation, nous avons dit, une question toujours pour nous plaisir, il est pour plaisir, parce que l'évangile c'est quelque chose, c'est armé, ma place c'est armé, c'est armé, pour autant comme ça, il est pour plaisir, toujours pas les temps. Bon, je vous dis pas vrai. Est-ce que Gisèle est connue à travailler à 43 ans? Est-ce que nous là, pas senti et nous pas conscients que c'est trop bon? Est-ce que nous là, dépensé, même vous qui êtes plus proche, Gisèle, t'es plus sur des tions, Gisèle n'a pas allé le 29 septembre dernier, nous l'avons oui? Nous l'avons non. Nous l'avons dit c'est tôt. Mais maintenant, nous en face, regardez là. Elle est partie et elle nous a déposé en terre. Est-ce que nous avons donné encore? Non. Est-ce que nous avons permis de la faire encore? Non. Est-ce que nous avons décidé de la faire encore? Non. Tout ça, nous fait la prochaine lettre, c'est du plus chat. D'ailleurs, ce qu'on fait là, c'est le monde de la prochaine lettre. C'est le monde de la prochaine lettre pour la famille. Chez le Véron Isaac, nous dit, nous dit, Gisèle, au revoir, mon Dieu. Mais nous mettons du Seigneur pour nous revoir. Gisèle va nous déconner. Jeûne, bourré, changer, etc. Gisèle va nous déconner. C'est fini. Maintenant, la question que moi, à vous poser maintenant, hein, c'est est-ce que si après quelques secondes là, c'est moi-même qui n'en place Gisèle, non? Est-ce que ma vie est allée? Est-ce que si c'est vous-même qui n'en place Gisèle, non? Est-ce que ma vie est allée? Ah, bah, c'est vrai que je devais aller mal aller. Mais où nous finissons, on va aller ou pas aller? On nous a souvent dit que après la mort, c'est le néant, mes chers amis. La parole de Dieu nous exhorte ce matin. Après la mort, c'est pas le néant. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, vient le jugement. Parce que l'homme, l'Ipaïe est fini. L'homme, c'est un être éternel. Notre corps physique l'a fini. Mais l'homme va faire de corps physique seulement. La parole de Dieu nous dit l'homme lui fait de corps, l'homme avec l'esprit. Quand vous parlez, lui va le pourri en terre, lui va le fini. Qu'en est-il de notre âme? Qui décision va prendre aujourd'hui? À conserver l'homme pour l'éternité et dans l'éternité des heureuses. Le bonheur toujours, ou à bien toujours, va poser une question ça pour bien. Souvent c'est le bonheur toujours, ou à bien toujours, pour prendre la bonne décision, la décision de sagesse, répondre à une question ça. Qui est-ce qu'on t'a béni avec Jésus? Souvent qui est-ce qu'on t'a béni avec Jésus? Ou bien, permets-moi de dire comme ça, calé-moi toujours. Mais sous pas ton pièce qui a venu avec Gisèle. Maintenant, c'est le temps sur la terre, le temps spécial pour que vous décidez. Décidez en tant qu'homme et femme intelligent pour destiner éternellement. Car la solution face à la mort, le plus grand problème de l'humanité, c'est dans mon Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole de Dieu incarnée, la parole qui s'était chère en la Vierge Marie, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'il dit bon Dieu, en recevant
le Seigneur Jésus-Christ, roi ayant éternité, bienheureuse, et la mort spirituelle, la mort éternelle, qui va pouvoir son. La mort physique a passé, bien sûr. On en a parlé. Mais à votre point de vue, si c'est dans tout ça seulement que nous avons espéré dans Jésus-Christ, nous serons tout plus malheureux que Jean-Pierre. Eh bien, espérons que vous allez au-delà de cette vie. Espérons que vous allez pour une vie éternelle. Et quand le mot va même pour l'esprit, on dit à quoi l'esprit va éternel. Éternel, soit heureuse, éternel, soit malheureuse. À vous de choisir. Moi, il y a un petit monde, moi, intelligent, moi, sage. La parole de Dieu exemple nous. À vous d'écouter la voix de Dieu pour que nous quittions cet esprit-là et aidez-nous. Pendant que vous entendez la frappe dans votre cœur, vous dites oui, Seigneur, j'entends ta voix ce soir. Le voici. Gloire à toi. Mes chers amis, derrière la règle bâtiment, c'est sur le plan social, nous besoin d'esprit aujourd'hui à tout. Le monde d'aujourd'hui, le bonheur c'est comme matin. Mais il y a une attention plus profonde sur le proverbe ça. Le bonheur pas comme matin. Le bonheur c'est comme matin. Parce que au cas où vous pouvez prétexte pour dire, si on dit bonheur c'est comme matin, et bien c'est 3h, c'est 4h, c'est 5h, c'est 10h, c'est 9h, et bien comme dans les 6h encore. Non, le bonheur c'est comme matin. Moi je dis, vous pouvez se décider sur le plan social pour là. Vous comprenez ça? Gisèle est hérétique. Gisèle a conduit sa première dans le 3h. S'il va bien décider, prenez une décision de sagesse pour ses enfants, ou pour ta patrimoine. Où est-elle? Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien. Qui s'attire au mieux à s'il va décider de m'en vivant avec sagesse dans tout le pays pour lui-même? Personne ne sait. Ça veut dire que sur le plan social, on a besoin de décider pour rien. Sur le plan familial, on a besoin de décider pour rien. Parce que, ou pas qu'on est, est-ce qu'on va bien en jouer bien ou des jouer et jouer et grandir de mes cheveux? Et même si on t'a loin de mes cheveux, j'ose qu'il y a bien des débrouillards, de mes cheveux pour l'homme bien pour tes jouets. Si moi je vois bien j'ose qu'il y a, de mes cheveux, moi j'ai deux bien pour ta jouet. Et on a souvent dit, le temps perdu de ce matin, si moi après, t'as rêvé en société meilleure, la bonne décision, nous besoin de l'aujourd'hui, dire. La décision d'éduquer nos enfants. La décision d'élever nos enfants selon la bonne voie. La décision de dire à nos enfants que nous devons craindre Dieu et que nous devons respecter les intérêts d'autrui. Nous devons respecter la chose d'autrui. Car son devoir de matin, nous nous disons ça. Le prochain président d'Haïti, les prochains sénateurs d'Haïti, les prochains députés de la République, il y a sorti dans le petit point de matin, dans le pays. Si on dit à nous, on va au libre accès, nous faisons ça en vrai. Nous allons au libre accès, nous allons faire un côté en vrai. Pensant que c'est l'affaire de ma maman, c'est l'affaire de mon papa, c'est mon affaire à moi. Oui, c'est l'affaire de ta maman, oui, c'est l'affaire de mon papa. Mais quand tu as besoin de quelque chose de ta maman ou de ton papa, tu dois demander. Pour que l'on va prendre de mes six cheveux. Au niveau du monde de l'affaire de l'État, oui, on va dire, c'est l'affaire du pays, l'affaire du pays c'est mon affaire, parce que je suis citoyen du pays, mais on va souffrir même pour moi. Non! Et c'est ça qui a donné le résultat que l'on a fait. On nous questionne le petit monde. Le monde de la bataille de nous bataillons, que nous prenons pas de capacité pour procéder par nous-mêmes. Posez une question. Et s'il le faut que nous retournions dans les réseaux sociaux avec là, que nous retournions. Le petit monde a montré. Avec l'angle là, $200, vaut mieux que qui passe bon, qui casse le fils pour là, c'est où? Son qui pour le mais son qui $200 avec la sortie. Comment on est-ce que $200? Et puis, quand il y a un moment, ça passe, on paye du autorité, on se lève avec maman, on paye du autorité, on ne fait pas parce qu'on mange de l'argent pour moi.
Et puis tout, c'est ça qu'on fait, nous sommes chez nous, on est là. Et puis on est à ce moment-là, on dit, ok, l'argent c'est facile, l'argent c'est facile, l'argent c'est facile, parce que maman va tirer, papa va tirer, et puis moi c'est le fait de faire tout la gagne pour l'argent. Non, 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 c'est pas société ça que nous rêvons demain, mais si c'est pas société ça que nous rêvons pour demain, on nous pose et puis on nous pose là, je dis. Mes chers amis, notre sujet c'était Jésus-Christ, la solution au problème de la mort. Si vous avez besoin d'une solution, on se casse cette demain. Recevoir Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il va la vie sur la croix pour vous-même, il va bien là pour le temps et pour l'éternité. Qu'on visite la vie pour en terre, mais qu'on a la vie pour l'éternité avec Seigneur Jésus-Christ, qui ont éternité et heureuse. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
Prions de vous donner pour me donner la croix, s'il vous plaît, pour terminer avec la cérémonie. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, le Seigneur vivra. Et qui confie et croit en moi, ne mourra jamais. Maintenant, au maître souverain, je peux laisser mon serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle dans la nation et donne gloire à ton peuple d'Israël. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et qui confie et croit en moi, ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Dieu miséricordieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, en qui quiconque vivra même s'il meurt, et en qui quiconque vit et croit ne mourra jamais. Nous te supplions humblement de nous réconforter avec la certitude de la résurrection de la mort à la vie, afin que quand nous sortirons de ce monde, nous nous reposions en lui avec tous les croyants par Jésus-Christ, notre médiateur et rédempteur qui nous a enseigné de prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, rayonne favorablement sur vous sa face. Il vous donne sa paix, sa joie éternelle. Qu'il vous console dès maintenant et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez en paix et servez le Seigneur. Juste avant de partir, salutation pastorale d'abord à la famille et après, si nous avons une assemblée qui nous ouvre, salut familial, la passer à des pasteurs pour que nous capables de ça et après, on peut partir. Thank you.
Thank you.
Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème.